Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous avez passé une très belle journée, voilà, que vous êtes vraiment au top de votre forme, que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve là, mais rapidement, rapidement pour une espèce de défi. J'ai une des abonnées là qui m'a dit, mais est-ce que tu peux pas faire une carte sur le thème masculin? Alors on va faire un petit truc thème masculin, hyper rapide, hyper facile, hein? C'est parti. On fait ça souvent pour emballer un cadeau. Alors, pour ce faire, j'ai pris ce que j'avais. C'est-à-dire, j'ai pas cherché midi à 14h. Je veux que ce soit fait en 3 secondes. Ok? Là, c'est une base 13-13. C'est des bases toutes prêtes là, qui sont vendues chez Action. On peut prendre n'importe quelle base, on s'en fiche. Là, c'est 13-13. Donc, du coup, je vais prendre un morceau qui fait 12. Alors, 12 de large. Hop. Je vais prendre ce papier-là. Pourquoi ce papier-là? C'est parce que, hein, il est très bon, très bien. Vous savez, ce bloc-là. C'est une feuille qui est fine. C'est très bien. Alors, on a dit 12. Je vais prendre 12. 12 de large. Vous voyez? Hop. Voilà. Je ne m'occupe pas de la longueur pour l'instant. Je couperai ce qu'il y a de trop. Ouais, je couperai ce qu'il y a de trop. C'est une carte en 2 secondes, elle est finie. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre dans ce côté-là. Je vais prendre le côté blanc. C'est peut-être un peu tristouné, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut prendre tout ce qu'on veut. Je prends le côté blanc, là. Vous voyez, hein? Blanc sur blanc, tout fout le camp. Et là, je vais faire des plis comme ça, à l'arrache de environ, ça se trouve, ça fait un... Je prends du ruban bleu, voilà. Je vais faire comme si je voulais faire un paquet. Donc, vous voyez, c'est la largeur de mon ruban. Je fais ça, c'est parce qu'on a tellement l'habitude de faire ça pour faire des paquets cadeaux, des petits sachets. Et là, hop, je bloque mon ruban en dessous, vous voyez. Et je tourne, vous voyez, vous avez vu ce que j'ai fait. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, hein. Je prends une bande de la largeur de ma carte. La longueur, on s'en fiche pour l'instant. Je prends un ruban, je pose mon ruban là. Hein, et là, je vais coincer mon ruban en dessous, comme ça. Voilà, hop, hop, hop. Je tourne une fois, deux fois, on peut même tourner trois fois, on tourne autant de fois qu'on a envie, autant de fois que vous avez envie. Hein. Voilà, alors moi je prends le blanc, c'est vraiment volontaire, hein. C'est un peu tristouné, je vous l'accorde, hein. Mais c'est pour... voilà. Ensuite, on prend un ciseau que j'ai pas sous la main. C'est ça qui me fait perdre du temps. C'est dommage parce qu'il y en a pour 3 secondes. Là, je vais couper de chaque côté comme ça. Là, hop, un coup de ciseau là, un coup de ciseau là. Voilà, hop là. Voilà, j'ai coupé de chaque côté, en dessous, juste en dessous le pli là. Et là, je rabats comme ça. Regardez, on va faire un col de chemise. Voilà, on fait un petit col de chemise. Plus petit là en l'occurrence. Voilà. Voilà. Là, on se fait un nœud. Alors, soit un nœud papillon, soit un nœud cravate. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc là, moi, je vais faire un petit nœud papillon parce que ouais, ce sera sympa. Voilà. Un petit nœud papillon. Regardez comme c'est adorable. Alors, si vous avez des papiers décorés recto verso, bah, c'est parfait, hein, parfait, parfait, amusez-vous. Hein. Prenez vraiment, il y en a pour 3 secondes à faire ce genre de carte masculine. Bon, on disait qu'on était bien là. Parce que les petits nœuds là, ça glisse le papier organza, organza, n'importe quoi. Si, si, je dis bien. Donc là, hop, voilà, hop, un petit nœud comme ça, un petit peu. Bon, il est pas joli, mon nœud, attention, hein, dites donc. Hein. Un petit nœud comme ça, regardez, hop, hop, hein. Voilà. Voilà, un petit nœud comme ça. Si vous préférez une cravate, bah, vous faites juste un nœud et puis vous laissez pendre comme ça, vous savez. Hein. Ça fait rien d'exceptionnel, hein, là. Hein. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre base de carte et on regarde ce qu'il nous faut comme longueur. Comme ça, vous voyez, on ne se complique pas. Enfin, moi, je ne me complique jamais la vie. Bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. Donc, je prends là comme ça et puis je dis, voilà, je vais couper là. Couper là, couper là, couper là. Hop. Un crayon de papier. Je vais faire hop, hop. Et là, je vais couper. Oh, normalement, ça va faire une base, normalement, bah, de 12 et quelques. Hein. Voilà, 12 et demi. Hein. Parce que c'est, hop, c'est 13. Donc à 12,5, hop, voilà. Je vous fais couper qu'à la fin. Pourquoi? Parce que suivant la largeur du pli que vous allez faire là, ben, vous voyez ce que je veux dire? Vous retenez pas, faites le pli que vous voulez suivant le ruban. Si vous avez du gros ruban, du petit ruban. Alors vous voyez, j'aurais pu faire ce côté-là. Hein. J'aurais pu faire. Mais pourquoi j'ai fait ce côté-là? Eh bien, c'est parce que j'avais envie. Alors ah, ben non, je vais, ouais, oh, ça va aller comme ça. Ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien.
Ouais, si, si, j'aime bien. Comme ça ou comme ça, comme ça. Parce que on peut, sinon, si vous ne voulez pas le mettre sur une base, c'est possible, hein, vous mettez sur une on fait ça pour vraiment faire des emballages cadeaux, hein. J'ai toujours fait ça pour faire des emballages cadeaux masculins, moi, hein. Après, donc du coup, bon, peu importe, là, le col, je laisse dépasser. Voilà, vous mettez ça dans une enveloppe 15-15. Là, c'est une. Voilà, il faut dire que c'est un 13-13. Bon, moi, j'aime bien faire le 10-15, vous savez. Mais j'en avais pas d'avance, là, et puis j'avais pas du tout envie de me fatiguer. Parce que j'avais pas envie d'en faire, là. Hein, c'est vraiment vite fait, là, vite fait, vite fait, vite fait. Voilà. Mais vous pouvez faire ça sur n'importe quelle dimension. N'importe quelle dimension. On a pour 5 secondes à faire ça. Hein. Voilà, je vais vous montrer, j'en ai fait une. Tout à fait autre pour vous montrer qu'on peut faire toute dimension et tout. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc là, hop, on colle ça là. Hein, sur là. Je laisse dépasser le col. Voilà. Vous mettez ça dans. Oui, je disais, dans une enveloppe 15-15, je vous l'ai dit. Hein, regardez, hop, c'est trop mignon. Et puis là, évidemment, on met des boutons. C'est l'occasion d'utiliser, par exemple, des strass. Moi, c'est parce que si vous m'avez vous faire des strass, des machins, là, ben, ça fait l'occasion de m'en servir. Hein. Vous voyez, il y a des pastilles, là, bleu, mauve, rose. Et ben regardez, c'est la couleur des trucs, là. Alors, soit je mets des trucs mauves comme ça. Hop. Un bleu, un mauve. On s'amuse, on dit donc, il faut s'amuser dans la vie. Hein. Hop, hop. Et hop, par exemple, un bleu, un mauve, un bleu, un mauve. Regardez, c'est joli, hein. Regardez, regardez, regardez. Ah, c'est trop adorable, hein. C'est trop adorable. Hop. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez continuer. Vous pouvez faire des fausses poches, là. Avec, par exemple, vous avez des chutes, là. Eh bien, hop, vous prenez. Alors, faut s'amuser. Faut vraiment pas trop se prendre la tête. Hein. Là, vous faites une fausse poche, comme ça. Hop, par exemple. Hein. Moi. Voilà. Je coupe un peu ce que je veux. On fait ce qu'on veut, hein. Enfin, je répète, mais parce que c'est tellement. Voilà. Et là, je vais faire une poche, vous voyez. Hop, regardez. Hein, c'était tout mignon. Une petite poche comme ça. Il y en a pour 3 secondes. Hop, hop. Vous pouvez même faire sortir un petit foulard, vous savez. Un petit foulard au mariage et tout ça. Les hommes, voilà. Alors, vous pouvez faire une chemise noire, une chemise blanche, une chemise. Bon, je sais, c'est un peu classique, hein, le coup de la chemise, les cartes masculines avec une chemise. C'est très, très classique. Mais. Ça prend 5 minutes. Enfin, je veux dire, ça tombe. De toute façon, les mecs, ils s'en foutent de nos cartes. Hein. Enfin, ah si. Ouais, je veux dire, ils doivent être très très peu nombreux à s'intéresser à nos cartes. Hein. Ouais, ou alors ils font semblant parce qu'ils vous aiment. Hein. Ouais. Donc là, on fait une poche. Oh, bah, t'es tout mignon. Ah là là là, c'est trop mignon. Hein. Et puis après, vous mettez votre sentiment, vous écrivez là. Hein. Je ne t'écrirai plus. Vous mettez, je sais pas quoi, n'importe quoi. Hein. Voilà. Après, vous mettez joyeux anniversaire. Après, vous pouvez mettre des petits. Bon là, c'est. Moi, je trouve que c'est assez. Hein. Point trop n'en faut, point trop n'en faut. J'aurais pu faire des tâches, des machins, des trucs, des machins. Je peux mettre un petit papillon parce que les petits papillons ils se posent. Hein. Hein, nœud papillon, papillon. Enfin bon. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Je sais rien. Moi, je sais pas. Vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, un sentiment. Bah, vous mettez votre sentiment, j'en sais rien. J'ai pas un sentiment qui traîne là. J'aurais mis n'importe quoi. Je sais pas moi. Ah tiens, on aurait pu. Pour la poche, là, vous savez, on aurait pu faire ça, par exemple. Mettre un sentiment comme ça, là. Hein? Pour en guise de poche. Bon, je préfère ça, mais bon, admettons. Et puis à l'intérieur, on peut mettre le petit mot, par exemple. Vous voyez, par exemple, hop, hop, vous mettez le petit mot dans la poche. Faites dépasser, là. C'est rigolo, c'est mignon, c'est sympa. Et puis, je cherchais un sentiment, mais j'en trouve pas. Hein. Non, j'en trouve pas. Qu'est-ce que je peux mettre? You are my life. Hein. Ouais, c'est ça. This is my life. Non, c'est pas this is my life. Ça, c'est you are my life. Hein. Ouais, c'est un peu trop. Hein. Ouais, tu es ma vie. Hein. On dit ça à nos enfants, hein, pas à notre bonhomme. Hein. Aussi, aussi. Si, si, il y en a qui sont. Si, 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 si. Pardon. Non, non, c'est vrai. Il y en a qui sont vraiment formidables, des hommes. C'est vrai. Ouais, Il n'y a pas que des hommes égoïstes et. Non, non, pas du tout. Il y a des hommes qui sont vraiment formidables. Alors vous mettez You are my love, là, par exemple. Hein. Vous faites semblant que c'est une étiquette de fringue, là, vous savez. Ou alors vous faites un trou, là. Vous faites un trou pour mettre les. Ici, là. Hein. Vous faites un trou dans la chemise. Hein. J'en sais rien, moi. Donc vous voyez, regardez, c'est vite fait. Hein. On a mis. Bon, là, j'ai vraiment fait en accéléré. Mais tout ça pour dire que il y en a pour 5 minutes. Hein. Le sentiment de vos rêves, là, ici, là, par exemple. Hein.
Joyeux anniversaire, bonne année, bonne fête, j'en sais rien, peu importe, hein, vous voyez, 5 minutes. Et j'en avais fait une autre, est-ce que je la trouve, hein? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Est-ce que c'est intéressant que je vous la montre? J'en sais rien, parce que déjà, je sais pas où elle est. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, parce que en fait, c'est le genre de truc qu'on fait, c'est classique, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est efficace, quoi. C'est rapide et efficace. Ouais, je sais pas. Bon, bah tant pis, je vous la montrerai pas parce que je sais pas ce que j'en ai. Ah, si, si, là, là. Regardez ça. Ah, c'est pareil. Là, par contre, le papier, il est décoré, très décoré. Il est or, là, comme ça. Ensuite, bien, le col, donc, comme derrière, c'est blanc, et bah, forcément, le col, il va être blanc. J'ai mis un petit nœud papillon blanc organza. Et puis, les perles, là, il y en avait des craft, là. Il m'en restait plus que trois. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait une toute petite. Hein. Et puis, si vous voulez faire qu'une carte comme ça, vous la laissez comme ça. Puis derrière, vous faites une petite pochette, vous y mettez votre mot. Hein. C'est tout à fait simple, efficace. Voilà, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Hein. Et puis après, votre imagination, bah, évidemment, chacun a son imagination. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut rester. Pour les hommes, il faut rester simple. Ils s'en foutent de notre carte. Suis sûre. Moi, je sais pas. Non, je me trompe peut-être. Non, je me trompe peut-être. Non, je me trompe peut-être. Mais voilà, vous fatiguez pas trop. Hein, ouais, ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que j'aurai répondu à ta question. C'est un exemple. Hein. Bien sûr, on peut en faire d'autres, hein, des cartes masculines, mais c'est classique, efficace, ça fonctionne toujours, toujours, toujours. Il y en a pour 30 secondes à faire ça. J'ai plein de gros bisous et je vous souhaite une très, très belle soirée, une très bonne nuit. Faites de beaux rêves. Prenez soin de vous.